Moi, je vais vous parler d'un truc. Est-ce que vous vous rappelez de Macron, la claque? Bah, je trouve ça, on en a pas assez parlé, tu vois. Bah, tu vois, Macron, il s'est pris une claque, on en a parlé 2 jours. Après, passe sanitaire obligatoire. Ah, non, non, on va parler de la claque 2 minutes. En plus, moi, je m'y connais en claque, la claque, elle est nulle. Hein. Vraiment, c'est. Et le mec qui lui a mis les claques, c'était les mecs à qui on mettait des claques au collège. T'as vu la tête qu'il avait ou pas, les vieux geeks, là, qui voulaient jamais se laver? Ça a bougé. Ça a bougé. Tu sais, les mecs qui étaient juste forts en SVT, là, et qui sentaient mauvais tout le temps. Vous voyez ou pas? Si vous voyez pas, c'est que c'est vous. Voilà, vraiment, ça. C'est sûr. En plus, c'est sûr, de base, ils voulaient pas faire ça, le mec. C'est un pari. C'est sûr, tu sais, dans les patelins, ils s'ennuient, les mecs, ils ont rien à faire. Hein. Je connais. Hein. Ah, ils se chauffent hyper vite là-bas. On dit la banlieue, mais là-bas, ça se chauffe direct. Il y a un mec qui a dit, hey, Jérémy, il y a Macron qui vient demain, je te paye une pinte, tu lui mets une claque. Bah alors là, pour une pinte, quand je suis capable, tu vois. Oh là là, oh, là, là mais. Me donne pas de clope, je vais le balayer, le mec. Hein. Vraiment, ça va vite. Hein. Vraiment, c'est. Ah, c'est vrai. Il m'a fait de la peine, le mec, en vrai. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ça va sinon? Vous faites du télétravail un peu dans la salle? Bah bravo, j'aurais été incapable d'en faire. Voilà, donc bravo. Parce que vous vous surveillez tout seul. Donc voilà. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai, t'es chez toi, tu te surveilles. Franchement, c'est bien, tu vois. Déjà, moi, à l'époque, quand j'allais au travail, on me surveillait, je travaillais pas. Donc c'est sûr, tu me laisses chez moi tout seul, torse nu, en short, avec un chat. Franchement, oh, télétravail, télétravail, télé, quoi. Vraiment, c'est. Moi, j'étais surveillant dans un lycée, ils ont embauché un surveillant pour me surveiller. Vous vous rendez compte? Allô, Julie, les 5e B se mettent arrivés. Ah, ça, je ne sais pas. Par contre, Ayoub n'est pas là, madame. Vraiment, ça fait 2 heures, on fait la cantine tout seul. Que des balances dans l'éducation nationale, je le dis. Voilà, que des balances. Et tout le monde balance tout le monde. Il y a pas de hiérarchie. Hein. Le cuisinier balance le prof d'SVT, prof d'SVT truc. Tu fais des clafoutis, ta gueule, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Vraiment, ça. Fout ta gueule. C'est vrai. Moi, je venais pas, en fait. C'est pour ça qu'on me balançait. Et en fait, il faisait trop froid pour y aller. Vraiment, c'est. J'y allais qu'en juillet, bah, c'était les vacances, tu vois. Et tu sais, les surveillants, ils me balançaient, ça sert à rien. Nous, on fait une équipe, j'ai des défauts, ça arrive, tu vois. Puis on fait une équipe et tout. Bah, c'est vrai, je suis en retard, c'est un défaut, tu vois, c'est comme ça. Hein. Chacun ses défauts, tu vois. Et non, mais c'est vrai, ils me balancent. Je leur ai dit, pourquoi vous me balancez, ça a arrêté. Ils m'ont dit, ouais, parce que quand tu viens pas, nous, on est dans la merde. Mais toi aussi, viens pas, que j'en ai à foutre. Moi, je suis pas ton père, hein. Tu sais, t'es malade ou quoi. C'était malade. Non, faut pas oublier, je sais pas si vous vous rappelez les gilets jaunes. Moi, je trouve, y a plus. Non mais c'est vrai, ils sont arrêtés du jour au lendemain, saison 1, saison 2, saison 3, j'ai tout suivi, ils sont partis, tu sais. Moi, ce qui m'énerve en vrai, c'est les vieux gilets jaunes, de 75 ans. Ah ouais, c'est bon, ça fait 40 ans que t'as le même salaire, c'est bon, trop tard en vrai, profite. En vrai, c'est... Ouais, dans 2 ans, tu meurs, qu'est-ce que t'en as à foutre, en vrai, c'est bon. Ouais. Et Macron, ils ont tout cassé, hein. Macron leur a donné 100 euros, ils ont tout arrêté, ils ont fait, c'est bon, chut, fini la marque repère, on va bouffer la viande charal, voilà, c'est ça. Je voulais que ce soit un truc. Moi, j'ai pas été que surveillant dans ma vie. J'ai tourné dans un film il y a 3 ans. Voilà. Ça fait plaisir, merci. Parce qu'apparemment, chez vous, tout le monde joue dans des films. Donc, excusez-moi, vraiment, on a le public qu'on mérite. Voilà. Non, j'ai tourné dans Valérian. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Je suis dedans, je vous promets que c'est vrai. J'ai tourné 26 jours. On me voit pas. Et non, je crois que c'est vrai, je suis un alien dans le film. Ils m'ont pas respecté. Et je suis l'alien numéro 14, vous vous rendez compte? Et je suis le seul alien qui vole dans le film. Pas je vole des trucs. Ils m'ont pas respecté, tu vois. Et le film, il a coûté 300 millions d'euros et il a pas fonctionné. Et Luc Besson, il était même pas dégoûté. Il a dit, oh, on fera mieux la prochaine fois. Oh, 300 millions d'euros. Vous avez déjà perdu 50 euros, comment c'est chiant? Alors tu imagines 300 millions d'euros? C'est, franchement, c'est beaucoup d'argent, 300 millions d'euros. En plus, il a pas fonctionné. Moi, c'est pas de ma faute. On me voit pas dedans, tu vois, et tout. Bref, voilà. Il y avait Rihanna, Cara Delevingne et moi. Et ça a pas marché. Mais voilà. Hein. Et 300 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. En vrai, quand tu mets 300 millions d'euros dans un film qui fonctionne pas, c'est comme si tu mettais 300 millions d'euros dans une équipe de foot et tous les ans, tu te fais éliminer en 8e de finale de Ligue des Champions. Ouais, vraiment, ça c'est abusé. Ah, c'est vrai, ouais. Ah. Je suis pour Paris. Je suis vraiment pour Paris. Mais en vrai, il y a 3 ans, on a perdu contre Rennes. En Coupe de France, le slogan de Rennes, c'est galette saucisse, je t'aime. Donc au bout d'un moment.